Ok, donc, comme je vous l'ai dit, regardez bien. Si vous voyez cette image-là, ça veut dire qu'on a déjà fait une première partie. Voilà. Ça, c'est la seconde partie. Et dans la seconde partie, nous, on s'est déjà enregistré sur le site. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas encore vu cette vidéo, regardez bien en description, il y a fait la première partie. Donc, allez-y suivre la première partie et puis revenez pour la seconde partie. C'est assez important. Sinon, vous n'allez vraiment rien comprendre. Voilà. Donc, ici, nous, on va d'abord. Rempli comme vous le voyez là, on va plus remplir cela parce que on a déjà fait ça dans la première partie. Vous voyez, j'ai déjà mes coordonnées qui sont là, on va plus reprendre. Voilà, donc ici nous c'est basic information, on va commencer à remplir. Après ça, on fait l'application information, après ça, les documents, après ça, more information, après ça, voilà. Donc on y va, les gars, on va essayer de faire quoi? De remplir cette application pour pouvoir aussi essayer de l'avoir avec nous. Voilà. Donc, on y va. Ici, je viens là. J'ai déjà rempli ce qu'il y a là. Maintenant, en ce qui concerne la photo, vous pouvez changer la photo en cliquant sur Browser. Ici, la photo va venir. Vous allez changer. Vous allez mettre la photo là. Voilà. Donc, on va faire ça plus tard. Pour l'instant, ce qui est important, ce que moi, je vais vous montrer, sont ici. Donc, je vais vous montrer rapidement. Ok. Donc, China's name, ça, c'est pas vraiment important. Le gendre, c'est masculin. Voilà. Et la nationalité, j'avais déjà choisi Côte d'Ivoire, donc c'est bon. Et date de naissance, étant donné que je considère que je viens pour étudier la licence, donc je vais considérer que je suis né peut-être en 2008. Voilà, en 2008, je crois que ça va. Je vais considérer que je suis né en 2008, donc en 2000, 2003, j'ai, pour la licence, en 2003, j'ai 20 ans. Voilà, et en 2006, en 2006, il y a 19 ans, je crois. Voilà. Et en 2000, en 2003, j'ai 20 ans. En 2003, j'ai 20 ans. Donc, en 2004, j'ai 19 ans. En 2005, il y a 18 ans. Et en 2006, j'ai 17 ans. Mais moi, je ne vais pas prendre cela. Donc, moi, je vais prendre 2004. C'est bon. 2004. Voyons voir 2004. En 2008, il serait trop jeune. Je vais prendre 2004 ici. Voilà, 2004. Je prends juillet 2004. Le 13 juillet 2004. Ok, je crois que ça va. Le 13 juillet 2004. Pays, Côte d'Ivoire. Place de naissance. Je vais prendre Abidjan. Ok, donc la langue que moi je parle, c'est quoi? Je vais prendre français. Voilà, French. Et ici, par exemple, comme ça, on a quoi encore? On a ici, je vous ai dit que vous pouvez cliquer là pour pouvoir changer votre photo. C'est pas un problème. Ici, je vais dire que je suis célibataire. Voilà. Donc, ça, c'est single, c'est dit célibataire. Ceux qui ne comprennent pas anglais, je n'ai pas envie de traduire ce qu'il y a là. Voilà. Sinon, ça va sûrement reprendre. Alors, ici, la religion. Si vous êtes chrétien, vous mettez chrétien. Si vous n'avez pas de religion, vous mettez non religion. Sinon, c'est chrétien. Et ici, occupation, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant. Voilà, je suis étudiant. Et si vous êtes employé, par exemple, comme ça, vous pouvez mettre le nom de l'employeur ici. Maintenant, étant donné que nous sommes étudiants, on met le nom de l'université où nous sommes actuellement là. Donc, je mets Université Félix Oufouette-Boigny. Voilà, mais vous mettez le nom de votre université en grande partie tout ici. Vous mettez. Si c'est l'université de Lomé ou bien l'université de Dakar, vous mettez tout là. Voilà. Maintenant, si vous êtes travailleur, vous mettez le nom de votre compagnie ici. Years of living in your own country. Donc, ici, years of living in your own country. Ici, tu peux mettre tout le temps que tu as vécu dans ton pays. Voilà. Étant donné que j'ai ici, je crois, 19 ans. 19 ans. Donc, je vais mettre 19 ans. Voilà. Je vais mettre 19 ici, vous mettez 19, voilà. Et ici, comme je vous ai dit, vous voyez qu'il y a la série rouge qui est là, ça veut dire que c'est vraiment important. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais comme ça essayer de mettre un élément. Sinon, vous-même, essayez de créer sur. Vous allez sur Google, vous cliquez sur WeChat et vous créez vous-même votre compte. Voilà, le Skype aussi, je l'ai. Ok, donc
Maintenant, ceux qui n'avaient pas créé aussi, je le répète encore, si vous ne savez pas, vous n'avez pas l'expérience dans le domaine et que vous ne savez pas comment ça fonctionne, faites-moi signe, on va essayer de postuler pour vous. Voilà, donc c'est assez important aussi. Ok, donc l'adresse de correspondance ici, je vais prendre peut-être home address. J'espère que en haut j'ai déjà tout fait. Voilà, en haut c'est déjà fait. Je vous ai déjà dit ici la photo. Vous cliquez sur browser, vous allez vous retrouver sur votre plateforme dans votre ordinateur. Vous allez choisir une photo là-bas et vous allez accorder ça. Donc l'adresse qui est là, je peux mettre peut-être Abidjan pour Boué ici. Abidjan ici. Ou bien Abidjan Cocody, mettez ce que vous voulez par rapport à vous. Abidjan Cocody, voilà, la ville, je mets Abidjan. Ok, donc le pays, c'est toujours Côte d'Ivoire. Pays, c'est toujours Côte d'Ivoire. Donc, dans le nom, on doit devoir trouver Côte d'Ivoire rapidement. Un instant que je trouve le pays. C'est en anglais, donc je crois que c'est Ivory Coast, voici ça qui est là. Ok, donc Ivory Coast ici. Et zip code, le zip code par exemple comme ça, à Cocody, il y a le 456. Voilà, donc vous pouvez prendre dans votre coin le zip code, combien ça fait. Si vous n'avez pas le zip code, vous mettez 00, c'est pas un problème. Donc le numéro de téléphone, je vais toujours prendre mon numéro de téléphone du pays. Donc plus 225 59 33 12 44. Voilà, si c'est pas cela, ils vont me dire que c'est pas cela, je vais reprendre. Ok, donc une fois que j'ai fini et current address, si par exemple actuellement moi je suis en Russie, donc dans les normes je dois remplir et ici et remplir là. Maintenant vous, si vous n'avez pas encore voyagé du tout et que vous êtes dans le même pays, donc si vous remplissez là, vous dites que c'est la même chose. Ils vont envoyer ça, vous voyez, ils vont envoyer ça automatiquement ici. Donc, si vous êtes ailleurs, vous remplissez depuis votre pays les coordonnées de votre pays et vous remplissez aussi les coordonnées du pays où vous êtes actuellement. Voilà. Mais si c'est pas le cas, alors vous cliquez sur l'élément qui est là et vous, les deux éléments vont être identiques parce que c'est la même chose. Voilà. Et une fois que j'arrive là, ici, on dit please make sure the postal address you provided is valuable in at least 3 months in order to receive all admission document successful. Donc ici, on dit comme ça de d'être sûr que tous les éléments de boîte postale qu'on va mettre sont vraiment valides pour 3 mois, parce que en plus de l'envoi de l'admission sur ton email, ils vont envoyer aussi l'admission aussi dans ta boîte postale. Voilà, c'est pourquoi ils demandent à ce que vous mettiez tous les éléments identiques. Maintenant, moi, ici, on dit the same has a home address. The same has a current postal address. I will pick up by myself. Donc, ici, vous pouvez cocher là si c'est vraiment les mêmes éléments d'adresse qui sont en haut là. Maintenant, ici, vous pouvez cocher là si c'est l'adresse postale identique. Voilà. Maintenant, ici, vous dites que vous-même, vous allez aller chercher. Vous savez que peut-être vous êtes en Chine, vous allez aller chercher là-bas dans leur QG. Donc moi, comme c'est identique, je considère que je suis en Côte d'Ivoire, donc je vais mettre tous les éléments sont identiques. Vous voyez, ce sont les mêmes éléments qui sont revenus ici en dessous. Voilà, donc je peux avancer un peu rapidement. Donc ici, j'avais dit que j'avais déjà un passeport. Alors j'ai mis le numéro de mon passeport ici. Et la date à laquelle j'ai reçu mon passeport, je considère que c'est en 2021 que j'ai reçu mon passeport. Donc, moi, je vais choisir 2021. 2021, le 15 juillet 2021, que j'ai son passeport. Et étant donné que ça fait 5 ans, ça va s'expirer en 2026. Voilà. Donc, je prends 5 ans, 2026. Donc, ça va s'exprimer le 13 juillet, peut-être 2026. Voilà. Et ici, expiration of all passports. Donc, si vous avez déjà eu 2 passeports, ça c'est, si c'est votre second passeport, alors et vous mettez la date d'expiration du premier passeport. Par exemple, moi comme ça c'est mon second passeport. Alors, mon premier passeport a expiré en. Bon, c'est pas encore expiré, mais ça devait s'expirer peut-être en 2019.
Vous voyez? Voilà, donc j'allais mettre là 2019. Mais c'est pas vraiment important. Ok, donc, which Chinese embassy or consul will you apply for the visa out? Donc, ici, on nous demande quel est dans quelle ambassade nous allons appliquer pour le visa. Donc, on va choisir l'ambassade. Vous mettez Côte d'Ivoire. Bon, comme c'est Ivory Coast, ils mettent à chaque instant. Je vais cliquer sur I et puis je vais voir si Ivory Coast apparaît. Ok. Donc, ici, dans le nom, je dois avoir Ivory Coast quelque part. Voilà. Donc, ça, c'est en Côte d'Ivoire que je vais appliquer. Voilà. Donc, il faudrait que je sache si c'est en Côte d'Ivoire. Alors, c'est à l'ambassade de la Chine en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas d'ambassade de Chine dans votre pays, ils vont mettre là l'ambassade dans lequel vous devez vous rendre pour aller chercher votre visa. Vous devez juste mettre votre pays et ils vont mettre l'ambassade dans lequel vous devez aller chercher votre visa. Voilà. Donc, je considère que peut-être qu'il n'y a pas d'ambassadeur dans quel pays là. Bon, les Chinois sont un peu partout, donc je suis sûr que c'est partout. Bon, si votre pays n'a pas d'ambassade, lorsque vous allez mettre votre pays ici, votre ambassade dans lequel vous devez aller chercher votre visa va s'afficher en dessous. Ça peut être dans un autre pays. Voilà, je peux être au Burkina, et puis quand je mets le Burkina, s'il n'y a pas d'ambassade de Chine au Burkina, vous allez voir que ça va s'afficher là, que les Burkinabés doivent aller chercher leur visa en Côte d'Ivoire. Ils vont mettre Côte d'Ivoire. Voilà, comme ce qui se passe pour la Russie. Ok, donc, après ça, une fois que j'ai fini, ici, ils ont mis quoi? Learning experience in China. Applicants currently in China need to submit the visa page, residence permit page, and entry stamp page. Voilà, donc on dit que pour pouvoir aller là-bas y étudier, voilà, vous devez avoir un permis de résidence, vous devez soumettre votre visa, tout, voilà. Donc, nous ici, have you studied other studying in China University? Non. Avez-vous déjà étudié dans une université chinoise? Non. Ici, was a Chinese now? Non. Êtes-vous en Chine actuellement? Non. Type de visa. Type de visa. Visa ici. Pas de résidence permanente. Pas de IS1, IS2. IS1, IS2. Non. Je vais mettre autre visa ici. Et expert visa. Ça, je n'ai pas, donc c'est pas la peine de mettre. Voilà, et si vous voulez même tout ici, vous ne mettez rien du tout parce que vous n'avez pas de visa pour l'instant. Voilà, donc si je passe là par exemple, le nom, la relation, la personne qui va ici, c'est la personne qui va vous sponsoriser si vous n'avez pas de bourse. Vous voyez? Mais si vous avez une bourse, c'est pas un problème. Et la personne qui va vous sponsoriser si vous n'avez pas de bourse, vous mettez tous les éléments de la personne ici en cliquant sur Add ici. Voilà, quand je clique sur Add, voilà, ça m'envoie tous les éléments. Je dois mettre les coordonnées de la personne qui va me sponsoriser si je n'ai pas de bourse. Voilà. Et ici, je vais juste vous montrer la partie où ils sont en train de parler de la bourse. C'est pourquoi je veux faire un peu plus vite pour que vous sachiez un peu comment ça se passe. Voilà, parce que je crois que si je ne finis pas là, j'aurai des difficultés à vous montrer un peu en avant. Voilà, donc je ne veux pas que la vidéo dure. Je vais m'arrêter là et puis je vais faire une seconde vidéo tout à l'heure pour faire la troisième vidéo. Donc, si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, essayez de liker la vidéo, essayez aussi de partager à vos amis pour que ces amis-là puissent avoir eux aussi la chance de postuler à ces bourses-là qui ont de vrais liens. Voilà, parce que ici c'est comme ça. Et si vous ne maîtrisez pas, nous sommes là aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur notre compte, dans nos groupes WhatsApp et tout. Pour qu'on puisse vous aider vraiment à aller postuler. Voilà, donc les gars, à tout à l'heure, et puis voilà, surtout prenez soin de vous.